Eh bien, salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le podcast sur le livre La Magie, comme chaque jour, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, nous sommes donc pour le procédé magique numéro 22, déjà plus que, combien 6 jours, plus que 6 jours et on a terminé avec le podcast sur la magie. De toute façon, je vais vous remettre les podcasts après, pour ceux qui ne les ont pas suivis ou qui voudraient les suivre différemment ou peut-être sur YouTube. Je vais les mettre sur YouTube également. On a vu hier, sous vos propres yeux, la technique magique nous permettait d'apprécier, de visualiser tout simplement 10 désirs les plus chers qu'on voulait voir se réaliser. Et on avait parlé donc de l'air magique que vous respirez et donc on est au procédé magique numéro 22 qui s'intitule « L'air magique que vous respirez ». On n'a pas souvent conscience de ça, mais surtout en cette période en fait. En cette période, c'est très très compliqué parce que en période de Covid, en période de coronavirus, on a du mal à respirer. Tout simplement parce qu'avec ces masques, en fait, on nous prive de notre air, on nous prive de notre liberté de respirer. Et ce procédé, vous allez voir, qui va vous permettre de respirer déjà d'une en conscience, d'apprécier l'air que vous respirez et d'imaginer que vous respirez de l'air magique. Alors pour commencer, vous allez apprécier votre bonne fortune ce matin. Vous dressez la liste des 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie, vous écrivez le pourquoi vous êtes reconnaissant, vous relisez votre liste, vous dites les mots merci, merci, merci 3 fois, en éprouvant le plus d'intensité possible sur la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Tout simplement, comme chaque matin jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, à 5 reprises, vous allez prendre le temps de penser à l'air magique que vous respirez. D'accord ? Donc à 5 reprises, vous prenez le temps de penser à l'air magique que vous respirez. Vous imaginez que l'air est magique et vous allez à 5 reprises prendre ce temps d'y penser et de respirer en pleine conscience. Vous respirez à fond 5 fois et vous sentez avec joie l'air pénétrer dans votre corps et en ressortir. Vous pouvez même vous imaginer que vous inspirez de l'air avec une couleur bleue ou une couleur très lumineuse, quelque chose qui vous inspire. Moi, c'est le bleu parce que j'adore le bleu et j'imagine toujours le pouvoir magique du bleu. Donc, j'inspire de l'air bleu et j'expire de l'air noir ou gris. Voyez, comme si vous sortiez de votre corps toutes les toxines, toutes les choses négatives. Vous inspirez de l'air bleu, vous ressortez de l'air noir. Vous inspirez de l'air rouge ou rose et vous expirez de l'air gris, noir, vert. Voilà, vraiment une couleur que vous détestez et que vous symbolisez comme négatif. Vous allez dire ensuite les mots magiques. Merci pour l'air magique que je respire. Je répète, merci pour l'air magique que je respire. Et vous éprouvez une reconnaissance sincère pour cet air précieux que vous respirez, pour cet air qui vous donne la vie. Parce que comme vous le savez en ce moment, il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité-là de pouvoir respirer convenablement. Des personnes qui ont des soucis déjà avant le Covid ou des personnes qui depuis le coronavirus ou en cette période assez complexe ne peuvent pas respirer convenablement ou des personnes qui travaillent avec des masques et qui ne peuvent pas respirer comme ils veulent toute la journée. Pensez à ces personnes-là, même si vous êtes ces personnes-là, mais pensez à tous les avantages que vous avez de pouvoir respirer après avoir posé votre masque ou des choses comme ça. Concentrez-vous sur ça et ce soir, avant de vous coucher, vous allez tenir votre caillou magique dans une main et vous allez prononcer le mot magique « merci » en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui, tout simplement. C'était donc le procédé magique numéro 22, intitulé « L'air magique que vous respirez ». Demain, nous allons voir le procédé magique numéro 23, intitulé « La baguette magique ». Et vous allez voir qu'on va imaginer une petite baguette magique dans notre main. Et on va faire des sortes de... On va être un peu un Harry Potter de la gratitude. Voilà. Donc si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Et puis après, on se retrouve du coup pour le prochain procédé magique. C'était Vince, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.